Salut à tous, c'est Eric Legault de chez Galago Music. Aujourd'hui pour vous, un standard des Beatles. Enfin, c'est un pléonasme de dire ça, car tous les morceaux des Beatles sont quasiment des standards. Mais pour vous aujourd'hui, le super titre Come Together, qui a été écrit donc par John Lennon. Ce titre ouvre Abbey Road, hein, album mythique s'il en est. Et cet album sera d'ailleurs le dernier des Beatles. Alors je me permets de m'adresser aux plus jeunes d'entre vous, il faut connaître Abbey Road, hein, ça fait partie des albums les plus importants de la seconde moitié du 20e siècle. Voilà, donc ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est une manière d'accompagner le morceau quand vous êtes tout seul, c'est-à-dire que j'ai mixé à la fois la ligne de basse, puis l'accompagnement de la guitare et tout ça. J'avais fait également, il y a quelques années, genre il y a peut-être 5 ans, un tuto là-dessus, mais il était vraiment pas complet, puis il était pas dans la bonne tonalité. Donc là, il n'y aura pas de souci, et je vais vous montrer les pistes également pour savoir comment jouer le solo, voilà. Alors je vous explique donc déjà la ligne de basse que j'ai arrangée pour guitare, qui donnerait ça, ce que vous entendiez au début de ma démo. Qu'est-ce que je fais? Je place l'annulaire ici en 5e case de la corde de La. Voilà, et je joue deux fois de suite. La première note, je la pique, c'est-à-dire que je perds le poids du doigt dès qu'elle est entendue. Donc tac, tac, d'accord? Ensuite, j'ai fait ça. C'est plutôt joli. Alors l'histoire, c'est d'arriver à faire comme un espèce de petit roulé, comme un slide en fait, pour que ça ressemble un petit peu à la montée de McCartney. Ok, j'ai fait 3e case du gros Mi, 4e case, 5e case d'affilée, sans rejouer ici. Mais là n'est pas la finalité. Ce qui compte, c'est d'aller chercher le Fa, ici, à la 3e case de la corde de Ré, à la fin de ma petite montée. Voilà. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Et quand j'arrive ici, je vais faire un slide qui descend, qui durera un temps, avant de reprendre la même chose. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est un peu plus rapide, du coup, la petite montée, là, va donner ça. 1, 2, 3, 4. Si la petite montée comme ça vous donne un petit peu de la peine, ce que vous pouvez faire, c'est ôter la note du milieu, c'est-à-dire faire. Ça marche aussi. Donc là, j'ai fait 5, 5 de la corde de La, ensuite 3, 5 en hammer on. Je vais chercher le Fa comme tout à l'heure. Moi, au début, je jouais comme ça. Et puis, j'ai rencontré Claude, Claude Arani, que je salue au passage, et qui m'avait filé le tuyau, effectivement, de... Voilà, de faire ce petit bidule-là qui marche très très bien. Donc, merci à toi, Claude. Donc, ce riff-là, vous le faites 4 fois d'affilée. Deuxième fois. Troisième fois. Et quatrième fois. Et après, c'est le couplet qui commence. Dans la version originale, la guitare ne fait pas ça. La guitare fait... ceci. 4. 3. 4. Donc ça, c'est ce qui va se superposer à la ligne de basse de McCartney. Donc vous placez l'index en 10e case comme ceci en barré, et on va jouer deux fois la 10e case du gros Mi, suivi ensuite 10e case de la corde de La, hammer on en 12e case, on garde tout bien appuyé, et on fait sonner la 10e case de la corde de Ré. Donc si vous êtes tout seul, préférez. Si vous êtes à plusieurs ou dans un groupe, vous faites vraiment la petite ligne originale. Ok. Ensuite, quand Lennon commence à chanter, ça va donner ceci. C'est une pompe en Ré, comme si on était dans un blues. Qu'est-ce qu'on fait? Vous placez l'index en 5e case de la corde de La, d'accord? Et l'annulaire en 7e case de la corde de Ré. Vous faites attention ici à faire en sorte que l'index, le bout de l'index, vienne bloquer le gros Mi et que l'annulaire ici puisse bloquer au moins la corde de Sol, voire les trois dernières. Très important parce que justement, on ne va pas s'embarrasser de bien viser les deux cordes. On veut avoir la possibilité, la liberté de tout gratter comme ça et de faire entendre uniquement le 5 et le 7. Donc quand vous avez ça pour prendre, vous avez la moitié du travail qui est fait puisque ensuite il va falloir ajouter le petit doigt ici. Donc là, ça donne quoi? La main de E.T., c'est vrai. Donc j'ai le petit doigt qui vient se placer sur la corde de Ré, donc devant l'annulaire, en 9e case, ce qui fait que l'écart donne 5 du La, 9
du ré. D'accord. Et on va faire deux fois chacune des positions. Au départ, on garde le poids des doigts tout le temps, d'accord? C'est plus simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. En grattant tout comme un bourrin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comme je suis bien placé, on n'entend pas. Si vous avez ça, c'est que vous n'êtes pas bien placé, je vous le dis. Et pour avoir le vrai phrasé, la première attaque, vous la piquez, d'accord? Pique, long, pique, long, pique. On est donc sur des croches binaires, hein. Toutes les notes sont jouées à la même vitesse, mais une fois sur deux, il y en a une qui est piquée. Pique, pique, pique. Voilà, pour faire une mesure, il vous faut 8 croches, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce ré là, s'il vous embête, vous pouvez le jouer ici, c'est-à-dire 10e case du gros mi et 12e case de la corde de la. Là, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de bloquer la corde plus grave que mi, puisqu'il n'y en a pas. Donc, il faut juste faire gaffe à descendre un petit peu l'index de manière à bloquer au moins la corde de ré. Et vous feriez le même principe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je ne sais pas si on voit bien. Il y a une table entre nous, là, ce coup-ci, donc j'ai du mal à me placer. Voilà. Donc pour choisir si vous le faites plutôt ici ou plutôt ici, ça dépendra en fait de ce que vous jouez avant. Si vous êtes en mode... Bon bah là c'est plus pratique de commencer à cet endroit-là, sinon il faut faire un grand saut. En revanche, si vous êtes sûr... Bon bah ce sera plus facile de recommencer d'ici, vous êtes déjà bien placé. Donc pour les couplets, vous faites cette mesure en ré 4 fois d'affilée, c'est-à-dire 4 fois 8 croches. C'est exactement la même façon de faire que ce qu'on avait ici, si ce n'est qu'on est en 5e et 7e case. Et là, on va faire la même chose, les deux mesures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Et on terminera par un coup en sol. Donc ce coup-là, vous le tapez et vous enlevez le poids des doigts. C'est à ce moment-là où il fait le... Got to be a joker, it just do what it please. Et ça recommence. Voilà. Donc si vous prenez le parti de ne pas commencer le ré ici, mais de le commencer là, bah, c'est le même principe. Hein. Ça donnerait 4 mesures à cet endroit-là en ré. 2, 3, 4. On dit que je l'ai fait 4 fois. Et vous passez en la, donc vous remontez juste les doigts d'une corde vers vous, ce qui est pratique aussi. Donc avec ça, vous savez déjà quasiment tout faire, c'est assez ouf. Donc vous avez le riff qui est joué 4 fois au début. Ensuite, la grille du couplet, à savoir 4 fois en ré, 2 mesures en la. Et le break en sol. D'accord. Ensuite, au niveau de la structure, on refait exactement pareil que depuis le début, c'est-à-dire 4 fois la ligne de basse, le couplet, et on arrive à nouveau sur le sol qui est piqué. Et c'est là que ça va changer, puisqu'on va donc attaquer le refrain. Et le refrain va donner ça. Ok, je souris parce que j'aime bien les morceaux comme ça qui se déroulent assez rapidement, j'adore même. Donc pour faire ce refrain, on avait terminé sur un power chord de sol, bah vous gardez le même écart et vous le déplacez en power chord de si, c'est-à-dire l'index en 7e case et l'annulaire en 9e case. Et on va gratter ça exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Ensuite on descend ça 2 cases à gauche, on le gratte 2 fois. D'accord, donc 6 fois le power chord de si. 6 fois 6, après 2 coups en la, 1, 2, d'accord, après 4 fois en sol, 1, 2, 3, 4, et un dernier coup qui sera piqué, on revient en la. Of me, fin du refrain, récapitulatif du refrain, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, of me. Petit détail technique, quand vous descendez des power chords comme ça, machin, très souvent, ce qu'il faut éviter de faire, c'est de garder les deux doigts enfoncés et te déplacer parce que ça fait ça. Vous voyez, c'est très agaçant ce petit son-là, on ne peut pas toujours l'éviter. Mais là, on peut. Comment se faire? Eh bien, par exemple, quand j'ai gratté 6 fois ce truc-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je me déplace vers le La. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever l'index complètement de la corde. Lui, il descend, c'est mon doigt pivot, il suit son rail. Et dès qu'il arrive à sa place, l'index, lui, va écraser eh bien, sa case de destination. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Ah, ça vous permettra de vous déplacer un petit peu plus vite également. Alors, démo depuis le début, puis après, je vous montre un petit peu les pistes de solo. Deuxième fois.
quelques pistes pour savoir comment improviser sur le sujet. Donc pour ça, j'ai pris l'outro, vraiment la fin du morceau. C'est là qu'on a donc une deuxième guitare qui vient s'incruster par-dessus et faire des petits plans genre... Alors on est en Ré et il va improviser sur la pentatonique mineure de... Ré, bien entendu, bravo. Est-ce que je vous rejoue la pentatonique mineure? Mais oui, bien entendu, on sait jamais, des fois que vous ne la connaîtriez pas encore. 10 du Romi, 13, 10, 12 du La, 10, 12 du Ré, 10, 12 du Sol, 10, 13 du Si et 10, 13 également du Mi. Et les plans vont tourner autour de ça. Par exemple, 13e case de la corde de Si, vous grimpez jusqu'à ce que vous fassiez entendre la note Ré qui sonnerait ici à la 15e case. Vous entendez cette hauteur, c'est celle qu'il faut avoir quand vous faites le bend. Ok. Donc c'est ça le plus difficile, évidemment, c'est d'arriver à trouver la bonne justesse par rapport à, à ce qu'on entend dans sa tête et par rapport à ce que les autres jouent autour, surtout. Ok. Donc ça, c'est un plan qui est très très utile quand vous êtes dans n'importe quel type d'improvisation blues rock, comme ça. Voilà, donc pour y arriver, vous avez constaté que j'ai mis trois doigts les uns derrière les autres. Bon, là, en plus, je suis sur folk, donc il faut vraiment des doigts pour arriver à pousser. Mais pas avec un seul doigt, hein. Honnêtement. À part si vous appelez BB King et vous le feriez avec un index ou comme ça. Mais bon, non. Ça, c'est pas assez puissant. Hop là, avec ça, vous maîtriserez mieux. Et vous pourrez rajouter, en plus, si vous le voulez, un petit vibrato. D'accord. Le deuxième plan très utile, c'est le même endroit, la 13e case, mais décalé d'une corde, ici. D'accord, même chose. Vous montez de deux demi-tons, c'est-à-dire que ça sonne comme la note sol qui est ici. Ok. Par exemple, on entend ce plan-là dans le morceau. Alors, comment j'ai fait mon truc? J'ai bendé. Quand je suis arrivé à l'auteur que je voulais avec la paume, j'ai arrêté la corde. Comme ça, je peux la redescendre et recommencer mon bend. Et la deuxième fois, je redescends sans regratter, donc on entend clean, tree, d'accord. Après, je fais entendre la 10e case du petit mi, qui fait partie intégrante de ma pentatonique. Hein. Et là, je rejoue la 13e case de la corde de si. Ok. Et ce qu'on entend après dans le morceau également, c'est ce plan-là que j'adore. Comment je fais ceci? Je suis sur la corde de sol, 10. Okay, je bloque et je vais pré-bender, c'est-à-dire que je vais d'abord monter la corde et après je gratte pour faire entendre cette petite descente, la comme ça, très larmoyante. Voilà, c'est très expressif ça comme attaque. Et dès que ça c'est fait, vous refaites derrière la note Ré ici. Donc je vous refais ces quelques plans d'affilée. Là. Puis après on pourra recommencer, hein. Voilà. Et si vous voulez pousser encore dans l'aigu, ce que vous pouvez faire, c'est jouer 13-15 ici sur le petit mi et bender de la 15e case de manière à faire entendre la 17e case, un ton au-dessus, la note là. Je refais entendre la 13e. Et après, il y a encore d'autres plans qui montent plus dans les aigus, mais j'aurai pas assez de casse pour vous montrer tout ça. Bah écoutez, voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à consulter la boîte de description YouTube. J'ai mis dedans un lien qui vous permettra de découvrir la partoche gratuite. Voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ou encore mieux, d'en parler à vos amis. Comme ça, ça fait venir un petit peu du monde, c'est pas mal. J'ai de la place à la maison, donc ça tombe bien. Ah voilà, écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt dans un prochain tuto. Ciao !